êtes aujourd'hui dans la petite ville de Mâcon pour vous parler d'une pêche particulière, à savoir la pêche à la bolognaise. Il y a une rivière absolument extraordinaire qui coule ici, la Saône, qui est une rivière avec un cheptel piscicole très important, de poissons blancs, des brèmes entre autres, les gardons. Alors, qu'est-ce que la pêche à la bolognaise? Tout d'abord, c'est une pêche au cou. Une pêche au cou qui va se pratiquer plus particulièrement dans les courants, avec une canne de 6 à 8 mètres, avec des anneaux. Le but étant de prospecter des zones de pêche qui le sont difficilement avec une canne traditionnelle. En effet, on va propulser la ligne et donc on va pouvoir atteindre des distances de pêche de l'ordre de 20 à 30 mètres. Alors, c'est une pêche qui se pratique plus particulièrement dans les courants, ou tout du moins qui est beaucoup plus efficace dans les courants, car on a un bras de levier plus important par rapport à une autre pêche au moulinet, à savoir la pêche à l'anglaise. Alors, sur ces cannes, on y adjoint bien sûr le moulinet et une ligne presque équivalente aux lignes que l'on peut utiliser avec une canne traditionnelle, si ce n'est qu'elle va être un petit peu plus volumineuse pour pouvoir la propulser. Voilà, on verra tout à l'heure plus en détail la confection de ces lignes. On va pratiquer cette pêche plus particulièrement dans le courant, ici dans la Saône. Donc la ligne en place, le flotteur va se déplacer sous l'effet du courant. Il va falloir que l'on freine sa dérive pour essayer de faire passer l'hameçon en premier sur le fond et non pas les plombs. Si on freine le flotteur, la ligne sous l'effet du courant, les plombs vont légèrement se soulever et bien évidemment l'hameçon va couler le premier dans le sens du courant. Alors c'est très important parce que les poissons sont toujours face au courant. Et bon, vous comprenez aisément que si on faisait l'inverse, il serait en contact avec les plombs en premier plutôt qu'avec l'hameçon et chez de l'asticot. Pour ce faire, il va falloir que l'on contrôle la dérive de la bannière. Alors, une chose très importante, on va pêcher avec le pick-up du moulinet ouvert et le doigt sur la bobine pour nous permettre d'augmenter la longueur de la bannière au fur et à mesure que le flotteur avance. Sinon, bien évidemment, on décrirait un arc de cercle et on se rapprocherait du bord. Donc, on sortirait de la zone amorcée. Parce que bien sûr, comme dans toutes les pêches au cou, nous allons amorcer. Un amorçage lourd de départ, enfin lourd, je m'entends, une dizaine de boules, relativement de la taille d'une orange, environ. Et ensuite, comme toute pêche de courant d'ailleurs, même à la canne, on va pratiquer un rappel quasi incessant, c'est-à-dire des petites boules d'amorce, toutes les coulées. Bien, maintenant on va passer à la partie la plus technique de cette pêche à la bolognaise, à savoir la conception de la ligne. Alors pour ce faire, on va choisir un nylon pour réaliser le corps de ligne, un nylon de l'ordre de 12 ou 14 centièmes. Pas trop descendre dans les diamètres, parce qu'on n'oublie pas qu'on va propulser cette ligne. Donc si le diamètre du corps de ligne est trop faible, on risque des casses intempestives dues à l'usure dans les anneaux. Donc là, je choisis un 14 centièmes. Bon, au passage, vous avez vu que j'ai enlevé, ça c'est une petite opération importante, j'ai enlevé le clips pour dévider la bobine. Si on le laisse et on tire dessus, on risque d'abîmer ce nylon. Alors, on va choisir aujourd'hui un flotteur de l'ordre de 3 grammes, voilà, ça doit être ça, oui. 3 grammes parce que, bon, la Saône ne coule pas très fort aujourd'hui et je pense que 3 grammes, ça suffira. On ne va pas faire des prouesses de distance non plus, on va simplement essayer de pêcher à une vingtaine de mètres. Voilà, alors, passe le nylon dans l'œillet. Voilà. Ensuite, on va choisir du silicone pour des petits tubes de silicone pour maintenir le fil le long de la quille du flotteur. Alors, on va couper 3 bouts. Le silicone, voilà pour le premier, et de 3. La quille du flotteur étant relativement longue, pour le rendre plus stable, il vaut mieux mettre 3 silicones pour tenir le nylon.
Voilà, et on va constater que le flotteur coulisse dur le long de la ligne, le long du fil. Voilà. Alors, je vais peut-être en profiter pour vous parler un petit peu, vous définir le flotteur bolognaise. Alors, le flotteur bolognaise est un flotteur d'abord qui est relativement long, tout simplement pour qu'il ait une stabilité dans le courant. La matière utilisée pour cette quille, c'est la fibre de verre. La forme du flotteur par lui-même, c'est une forme trapue vers le haut. Une forme trapue vers le haut, c'est très très important, car on va contrôler la dérive du flotteur dans le courant. Hein? Si on retient trop le flotteur et que sa forme soit pointue vers le haut, il est évident que le flotteur va sortir de l'eau. Et à ce moment-là, quand il y aura la touche, le poisson va sentir la pénétration du flotteur dans l'eau et risque de recracher avant que l'on ait pu le ferrer. Alors maintenant, on va passer à l'équilibrage proprement dit de la ligne. Équilibrage qui va être réalisé à l'aide d'une olivette et de quelques petits plombs. Alors, je prends une olivette et les deux petits silicones pour maintenir cette olivette sur la ligne. Alors, comme pour le flotteur, on enfile d'abord les silicones. Et ensuite, l'olivette. Alors, notez la particularité de cette olivette. Bon, c'est une olivette donc, qui n'est pas percée et qui est maintenue sur la ligne par l'intermédiaire de ces deux silicones. Ça offre l'avantage par rapport à une olivette traditionnelle percée, c'est que ça, on n'a pas besoin de petits plombs pour la bloquer et que ça ne détériore pas le nylon et que ça tient très très bien. Voilà. Donc on va finir cet équilibrage avec quelques petits plombs. Voilà, alors ce sont des plombs mous, très mous d'ailleurs, que l'on peut serrer à la main et qui ne détérioreront pas le nylon. Alors 1, 2, 3. Bon là on va déjà voir ce que ça donne au niveau de l'équilibrage. Ah, l'équilibrage est presque bon. Il manque un tout petit plomb, vous voyez encore un petit peu du flotteur qui sort de l'eau. Donc il faut l'équilibrer jusqu'à ras de l'antenne. Thank you.
Thank you.